Quoi? Pankti était au pub? Pankti Sharma! Mais oui, je la connais! Tu la connais? Comment? Maman, pourquoi tu n'arrêtes pas cet homme? Je ne sais pas ce qu'il fait à Pankti. C'est elle! Pankti Sharma, on était ensemble à l'internat. En fait, on était dans la même classe toutes les deux. J'arrive pas à y croire, vraiment? Oui, regarde ça, regarde. On a été ensemble pendant 3 ans. Elle était à la fois silencieuse et rêveuse. Elle ne parlait presque à personne, en dehors de moi. Elle passait son temps à écrire des choses, comme des poèmes par exemple. Elle écrit toujours. Avec son cœur. Les choses comme elle. Simples et douces. Les gars, vous savez quoi? Quand on était plus jeunes, elle adorait pousser la chansonnette. Je lui ai dit plusieurs fois de prendre des cours de chant. Je sais pas si elle l'a vraiment fait ou pas. Elle a toujours été très timide et réservée. Elle est toujours très réservée et calme. C'est comme si elle avait beaucoup de choses à dire. De nombreux secrets dont elle n'est pas capable de parler. Et quoi d'autre? Je ne peux pas vraiment t'en dire plus. Elle a quitté l'école quand je suis revenue de vacances. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle n'a jamais répondu et plus tard, j'ai découvert qu'elle avait quitté la ville. Mais pourquoi? Qui peut bien appeler sur le numéro de Pankti? Allô? Allô, ma tante? Qui est-ce? Oh, et n'oublie pas de lui demander à propos du... Ma tante, je suis la camarade de classe de Pankti. On était ensemble à l'internat. Est-ce que je pourrais lui parler? Non, ce n'est pas le numéro de Pankti. Mauvais numéro. Allô? Elle t'a menti. Elle s'est enregistrée avec ce numéro à l'hôtel de Mahabaleshwar. Tu l'as entendu. Elle a dit que je m'étais trompée de numéro. Mais je ne peux pas laisser tomber comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas son adresse. Pourquoi as-tu menti? Que devrais-je faire? Depuis que Pankti est revenu, il y a trop de problèmes qui surviennent. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'une amie fait soudainement son apparition. Amie? Oui. Celle qui vient tout juste d'appeler a dit qu'elle était la camarade de classe de Pankti. Quoi? Mais comment a-t-elle pu avoir le numéro de Pankti? Nous avons quitté notre maison depuis des années. Nous ne vivons même plus là-bas. Je suis sûre que ce garçon est derrière tout ceci. Il cherche le moyen de rencontrer Pankti. Si Monsieur Jayant s'en rend compte, il ne m'épargnera pas. Mon frère, ta carrière est finalement relancée. Oublie tout ça, sinon ça pourrait s'arrêter. L'indésirable, arrête un peu d'être aussi pessimiste. C'est pour elle que je m'inquiète, et non pas pour moi. Je veux la revoir. Et s'il te plaît, arrête un peu de me donner des leçons. Je peux comprendre ton inquiétude, mais s'il te plaît, essaie de me comprendre. Les chemins de mon amour et de ma carrière sont exactement les mêmes. Tous ces chemins mènent à Pankti. Si j'arrive à l'atteindre, alors tout ira pour le mieux. Mais je dois d'abord la revoir. Sinon, je ne serai plus capable de chanter. Oh. Et qu'en est-il de toi? C'est fait! Regarde, c'est ta première chanson. C'est un véritable succès. Fantastique! J'ai une incroyable idée! Hé, hey, Pankti, arrête. Non. Il attend de moi que je sois heureuse et que je ne pleure jamais. Il est temps que je l'accepte.
Et comment puis-je faire? Une chose pareille. Panty, dis-moi, que puis-je faire d'autre? Ne pleure plus. S'il te plaît. Apparemment, cette chanson fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais qui la chante? S'il te plaît, mets juste la musique. Qui est le chanteur? Je ne sais pas, Pankti, mais ce n'est pas une nouvelle chanson. Montre-moi. Pankti, c'est juste la chanson, il n'y a pas de clip. Allô? Allô? Pankti Sharma? Oui? Je vous appelle de la librairie. Votre sac a été échangé il y a quelques jours. Oui? Vous avez retrouvé mon sac? Oui, vous pouvez venir le récupérer. S'il vous plaît, pouvez-vous ramener le sac que vous avez pris par erreur? Ok, d'accord. J'arrive tout de suite. Où vas-tu? Maman, je vais arroser. Pankti, n'essaye pas de jouer à la plus maligne. Qui t'appelait? L'autre jour, mon sac a été échangé à la librairie. Et ils ont retrouvé mon sac. Ils appelaient pour me le dire et ils m'ont demandé de venir le chercher. Bien joué, mon frère. J'avais peur que tu sois devenu complètement fou, comme le loser derrière. Mais visiblement, tu es encore aussi intelligent que moi. Regardez, elle est là. Baissez-vous. Qui c'était? C'est sa mère. Elle ressort. Bon, on fait quoi maintenant? Ne t'en fais pas, Richa. Je vais m'assurer que tu rencontres ton ami. Waouh, mon cher. Donc ça veut dire qu'on le fait pour Richa? Tu portes plutôt bien ton nom. T'es vraiment un grand manipulateur. Dieu merci, il n'y a rien de louche. Je crois que tu devrais arrêter ça maintenant. Elle a demandé qu'on ne la suive pas. Pourquoi est-ce qu'on la suit? Quand est-ce qu'elle a dit ça? Mais tout le temps, pendant le concert et même au pub. L'indésirable. Si tu cesses de suivre une fille parce qu'elle te l'a demandé, tu n'es plus un homme. Sois sensible. Peu importe,
Anne, tu sais qu'elle est en danger. Pourquoi est-ce que tu vas la voir ? Pour la sauver du danger. En fait, tu as tout à fait raison. Elle a toujours des gens dangereux autour d'elle. Donc on doit l'éloigner de ces personnes. C'est une bonne idée, ça. Mais comment tu veux faire ? On n'a même pas son adresse. On va la voir, très bientôt. Regarde un peu ce que je fais. En fait, je ne fais pas que conduire. Je suis en train de suivre cette voiture. Waouh, je suis fier de toi. Pankti ? Un livre de décoration. Tu veux construire une maison ? Ne pense même pas à t'y installer. Fais-moi une tasse de thé, s'il te plaît. J'ai vraiment mal à la tête. C'est quoi ce bout de papier ? Riche, Richard, riche, le mari de Richard, Pank, Pankti, Pank, le mari de Pankti. Pankti, tu vas bien ? Regarde ça. J'ai trouvé cette lettre dans le sac que maman m'a ramené. Une lettre ? C'est un garçon qui l'a écrite ? Non, elle ne vient pas d'un garçon. J'avais une camarade de classe. Pour elle vient où est mon thé ? Oui, maman. Maman, il est presque prêt. C'est ma camarade de classe, Richa. Regarde ceci. Riche ? Richi ? Richi. Le mari de Richa ? Oublie ça. C'est un casse-tête. Il faut lire entre les lignes. Donne-le-moi. Laisse-moi lire la suite. Tu te souviens de moi, Richa, ton ami ? Je t'attends dehors. Viens tout de suite. Pourva, c'est Richa, ma camarade de classe. Je l'ai vu hier, à la discothèque. Pankti, quelqu'un t'a appelé hier sur ton téléphone. Maman lui a dit qu'elle s'était trompée. Tu penses que c'est la même fille ? Je suis sûre que c'était elle. Pourva, elle m'attend dehors. Mais comment puis-je sortir ? Maman ne me laissera jamais faire. Pourva. Pankti, donne-moi du thé en poudre. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, maman. J'ai fait tomber la boîte de thé. Oh, comment vais-je boire mon thé, maintenant ? J'ai une affreuse migraine. Ne t'en fais pas, maman. Pankti va aller en chercher. Pankti, va chercher du thé. Vas-y. Vas-y, vite. Oui, Pourva. J'y vais de suite. Allez, vas-y. Le mari de Richa. À toi. Pank. Pank.
Pank, le mari de Pankti. Tu t'en rappelais plus? Risha et Pankti sont comme les deux doigts de la main. Pourquoi voulons-nous un mari? Et pourquoi avons-nous besoin d'être des épouses? Je m'attendais vraiment pas à te voir hier soir. Je savais pas que tu sortais le soir. J'étais vraiment surprise quand je t'ai vue en discothèque et que tu m'as complètement ignorée. Arrête avec les excuses. Aujourd'hui, je vais me fiancer. Tu ne veux pas savoir avec qui? Je pense que si tu l'aimes, alors ça doit être un mauvais garçon. Quoi? C'est ce que tu penses? Tu te souviens de Pankaj Mathur, qui était si simple et mignon? Lui? Simple? Il était têtu comme une mule. Oh! C'est pour ça que tu faisais tous ses devoirs. Parce que tu avais des papillons dans le ventre en regardant cette mule. Menteuse! Alors dis-moi. Alors c'est lui? Pour le savoir, viens à mes fiançailles, Pankti. D'accord? Je ne te le demande pas. C'est un ordre. Ce soir, à 20h, j'enverrai une voiture te prendre. Tu viendras, n'est-ce pas? Allez, Pankti, on se retrouve après tant d'années. Et ce sont mes fiançailles. Ne refuse pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Démarre la voiture. Partons d'ici, ensuite on parlera. Partons d'ici d'abord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a refusé l'invitation? Je lui ai proposé de lui envoyer une voiture, mais elle a refusé. Anne, j'ai vraiment essayé de la convaincre. Bon, écoute, si on continue de la suivre comme ça, ça aura l'air bizarre. Je voulais pas le dire, mais il a complètement raison. T'inquiète pas, mon frère. Tu en trouveras une autre. Tu en aimeras une autre. Peut-être que ce ne sera pas nécessaire. Pourquoi? Parce que quand j'ai demandé la première fois, elle a refusé. Mais ensuite... Ensuite? Ensuite, je l'ai suppliée au nom de l'amitié, je lui ai fait un petit peu de chantage et... Et? Et elle a accepté. Quoi? Yes! Et oui, c'est moi la meilleure. J'ai acheté le thé en poudre. Il sera prêt dans 2 minutes. Dis-moi, tu l'as rencontré? Raconte-moi. Alors? Je l'ai rencontré. Mais baisse d'un ton. Allez, dis-moi. Attends, je vais servir le thé. Cette nuit, on se verra. On se rencontrera enfin comme il faut. सफर तू मेरा मंजिल तू पूर्वा tu as déjà rencontré Risha la fois où tu avais dû venir dans mon école la voici
pendant un moment. C'était agréable de repenser au passé lorsque je ne me souciais que de deux choses. Mes devoirs et mes amis. Peut-être que je voulais revivre ça une fois encore. C'est pour cela que je veux aller à ses fiançailles. J'en demande un peu trop, hein. Je vais refuser. Ton ami est venu jusqu'à la maison pour te voir. Et moi, je ne peux rien faire pour t'aider. Ma petite sœur me demande une petite chose et je suis incapable de le faire. Ma sœur, pourquoi es-tu si triste ? Sortir de la maison. Sortir de la maison ? Qui veut sortir de la maison ? Tu sais, Pankti est sorti de la maison pour acheter du thé, n'est-ce pas ? Et alors ? Tu ne vas rien dire à maman ? Dis-le-lui. Maman, quand Pankti est sorti de la maison pour acheter du thé, tu vois ? Elle a eu comme l'impression qu'on la reluquait. Nous vivons dans une si grande maison. Et nous avons de si belles voitures. C'est pour ça que les gens la reluquent. C'est exactement ce que je lui disais. D'accord. En passant, elle n'a pas besoin d'aller à l'extérieur une fois de plus. Je demanderai à Saku d'acheter tout ce dont on a besoin. Tu as laissé ça à l'extérieur ? Mais comment vais-je faire ? Une minute. Tu assisteras à ses fiançailles. Elle viendra. Oui, frangin, on a compris maintenant. Combien de fois tu comptes le répéter ? Alors laquelle ? Tu veux celle-ci ? Ou celle-ci ? C'est un jour spécial. Mon frangin doit être sur son 31. Alors dis-moi ! Tu as raison, c'est un jour spécial. Donc je dois porter un habit spécial. Donne-la-moi. Celle-là est pour moi. Ce sont mes fiançailles. N'oublie pas. Écoute, tu penses qu'elle viendra ? Si elle ne vient pas, on va la kidnapper. Nous sommes des Danrajgir. Et alors, ça veut dire qu'on doit forcer les femmes ? Si elle n'écoute pas, alors oui. Désolé, moi je n'ai pas le courage pour agir ainsi. Ah oui, vraiment ? T'as eu une idée pour la soirée, non ? T'as juste besoin de courage pour le faire. Tu le feras ? La nuit approche. Tu verras. Saku, applique-le comme il faut. Maman, tu avais raison. Nous possédons tout aujourd'hui, mais nous n'apprécions pas la valeur des choses. En particulier Pankti. C'est à cause de ses photos.
ce sont nos vieux albums, qu'elle consulte tous les jours. C'est pour ça qu'elle n'apprécie pas ce que nous avons. C'est pourquoi je vais brûler ses photos. Qu'avons-nous aujourd'hui ? Avant, on avait notre propre maison, la liberté, et on avait papa. Chaque fois que je les regarde, je ne peux que dire merci à Dieu de nous avoir envoyé Monsieur Giant. Pankti ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Viens ici. On va toutes les brûler. Si on détruit les souvenirs, alors elle cessera de jacasser une fois pour toutes. Oui, maman. Maman, tu te rappelles de notre maison, Adélie ? Oui. Je me rappelle des trous qu'il y avait dans les murs. Et comment l'espace était étroit. Acheter mon gâteau préféré. Oui. Oui, je me rappelle. Mon film Kagaz est sorti ce jour-là. Tu sais, Saku, le premier jour, c'était vraiment plein à craquer. Pourva, tu peux juste garder cette photo-là. Et je brûle les autres ? Oui, brûle tout. D'accord, ça sera fait. Mais pourquoi brûles-tu celle-là ? Maman, tu m'as demandé de toutes les brûler. Non, pas celle-là. Mets-la de côté. D'accord. Maman, tu es très belle sur cette photo. Mais cette photo est très ancienne, non ? Fais voir. Non. Elle n'est pas si vieille que ça. Ça va faire... environ 4 ans, ou peut-être plus. Mais si je porte cette robe aujourd'hui et que j'adopte cette position, je serai probablement toujours la même. Et maman, même de nos jours, tu es toujours très belle. Mais cette photo... Vraiment ? Laisse-moi voir. Écoute, Pourva, s'il te plaît, monte vite me chercher un verre de vin. Il y en a dans le cellier. Et Pankti, toi, tu vas me chercher ma robe. Tu sais, c'est une création originale de Samir Malhotra. Il me l'a donnée lui-même. Dépêchez-vous. Oui, maman. Tu vas voir comme c'est amusant. Maintenant, dis-moi, Pourva. Y a-t-il une différence entre cette photo et maintenant ? Non, maman. Absolument pas. N'est-ce pas ? Je te l'avais bien dit, non ? Tu sais, Pourva, quand Surya Prakash m'a engagée pour son film, je me rappelle qu'il m'a dit « Madame Anita ». C'est seulement dans les livres que j'ai vu une telle beauté, ou encore dans les peintures de l'ère de l'Empire mongol. C'est la première fois que je vois une telle beauté en vrai. Et donc c'est lui qui a pris cette photo. C'était la belle époque. J'étais fatiguée tout le temps. À force de signer des autographes. Les gens me suivaient chaque fois que je sortais. Anita Sharma, Anita Sharma, Anita Sharma.
De nos jours, personne ne me suit comme avant. Personne n'a plus besoin de mes autographes. Je suis même obligée de rappeler aux gens qui je suis. Anita Sharma. Mais ce n'est pas un problème. Même s'il y a beaucoup moins d'admirateurs, Anita Sharma n'a absolument rien perdu de sa beauté et de son franc-parler. Elle ne s'est pas laissée abattre. N'est-ce pas, Pourva ? Oui, maman. Tu as tout à fait raison. Trinquons à Anita Sharma. Pankti, s'il te plaît, viens. Non, ma sœur. Et si maman se réveille ? Pankti, c'est moi qui me ferai blâmer. Alors s'il te plaît, viens. Pankti, si ce n'est pas pour toi, fais-le pour moi. Si tu es un tout petit peu heureuse, moi je le serai encore plus. Je suis heureuse de faire ça pour toi. Je suis ta grande sœur, alors s'il te plaît, Pankti, dépêche-toi d'y aller. Écoute, Richa a envoyé une voiture. Dépêche-toi d'y aller, s'il te plaît. Ma sœur. Allez, vas-y, décroche vite, s'il te plaît. Allô ? Comment vas-tu, mon amour ? Ça va ? Ma chérie, je t'appelle pour te dire que je ne viendrai pas aujourd'hui. J'ai des choses à faire. Tu es en colère contre moi ? Viens. Non. Tu devrais plutôt l'être. Ta réponse ne me fait pas plaisir. Enfin, qu'y a-t-il, ma chérie ? Je ne viens pas et tu n'es pas en colère. Pourtant, tu devrais l'être. Alors, tu es fâchée ? Chérie, tu es vraiment très mignonne. Je viendrai demain t'enseigner beaucoup de choses. D'accord ? Bonne nuit. Une minute. Es-tu prête à apprendre ? Bien. Mignonne. Qu'y a-t-il ? Dépêche-toi. Non, ma sœur. Après l'appel de Monsieur Jidé, je n'ai plus envie. Pankti, tu es devenue folle ?
Soit tu viens ou soit je te forcerai. N'oublie pas que je suis ton aînée. Viens. Tais-toi et viens. Ma sœur, essaye de comprendre. Je ne veux rien entendre. Viens. Allez, viens. Ma sœur. Pourquoi tu ne comprends pas? Qui est-ce? Oh. Qui klaxonne encore et encore? Hein? Qui est-ce? Maman! Pankti, vas-y, je vais gérer. Pankti, vas-y. Je vais m'en occuper, vas-y. Maman a vraiment raison. Je ne saurais pas profiter de la liberté. Je suis stupide. On y va? Mmh. Vraiment? Réfléchis-y. Dès que ce voyage commencera, tu ne pourras plus faire marche arrière. Toi? Oui, moi. Je ne partirai pas avec toi. Hé hey, Attends. Respire au moins, Miss Milka. Aujourd'hui, tu dois me le dire. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est mon visage? Ou alors mes cheveux? Pourquoi tu me harcèles au quotidien? Tu dois t'en aller maintenant. Je suis désolée, je ne partirai pas avec toi. Ok, attends, une seconde. Salut, Pankti. Écoute, j'ai kidnappé ton ami. Maintenant, tu dois payer la rançon. Pankti, pourquoi t'es si tendue? J'ai envoyé Han te chercher. C'est le cousin de mon fiancé. Allez, viens, s'il te plaît. Non, Richa, je suis vraiment désolée. Je ne viendrai pas. Si je viens, je vais t'attirer des problèmes. C'est quoi le souci? Écoute, Han est un garçon très gentil. Il ne te fera pas de mal. T'es en sécurité avec lui. Croix de bois, croix de fer. Non, Richa, je ne veux pas prendre de risques. Je ne peux pas venir, je suis désolée. Je m'en vais. Pankti, écoute, si tu ne viens pas, je ne me marierai pas, t'entends? Richa? Mais... Oh mon Dieu! S'il te plaît, fais que Pankti vienne. Mais... Qu'est-ce qu'on fait? Au fait, je ne suis pas toujours un gentleman. Parfois, je peux être aussi très vilain. Les blagues te font peur aussi? Qu'est-ce que je vais faire de toi, Pankti? Donc, tu es une vilaine fille, toi aussi? Tu as picolé avant la fête? Non, c'est juste que le vin s'est renversé sur moi. Je ne viens pas avec toi. Au revoir. Je blaguais, Pankti! Vu que tu étais tendu. Ok, d'accord, je me comporterai comme tu me le demanderas. Si tu entretiens une relation avec lui alors, ok, c'est pas grave. Mais rappelle-toi que
Tu auras sa mort sur ta conscience, Pankti. Pankti, s'il te plaît, pense-y. Si tu ne viens pas, les fiançailles de Richa n'auront pas lieu.